vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un prank à Asya. Ouais. Asya va croire qu'on va faire une vidéo comme les autres. Mais non, parce que moi, je vais lui mettre des trucs pas bien, par exemple de l'eau et tout, pour lui cacher son slime. Mais oui, je vous fais confiance pour garder le secret. Ah, et là, qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo aujourd'hui? On va faire un slime mais en se bandant les yeux. Tu vois comment ça s'appelle? Ah ouais, ça va être trop bien. Pourquoi tu rigoles? Ah, pour rien. C'est juste que quelqu'un me faisait rire avant. Ah, je me rappelle toujours. Bonjour les chupis. Bonjour les Louis. Je suis ma soeur Asya. Et moi, c'est ma soeur Leila. Et Tommy. Alors comment ça va les chupis aujourd'hui? Bien. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Est-ce que vous êtes motivé? Oui. Et vous aussi les vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Alors Letty, qu'est-ce qu'on va faire comme challenge aujourd'hui? On va faire un slime en se bandant les yeux. Trop bien. Alors est-ce que vous êtes prête? Oui. Et vous aussi les Louise, est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Alors c'est parti. Alors Letty, est-ce que vous rappeler le principe du slime en se bandant les yeux? Et ben en fait on a les yeux bandés. Oui. Le but c'est qu'en fait on touche quelque chose. On pense par exemple ça, j'attrape ça. Par exemple là j'ai mis déjà le colorant. Oui. Après je vais mettre la colle. Mais ça sans savoir ce que tu prends du coup tu auras les yeux bandés. Et l'idée c'est de savoir justement qui aura le plus beau slime. On se bande les yeux, on ne triche pas. Allez c'est parti. Alors à votre avis, est-ce que ça commence bien pour vous les filles, vu qu'il y avait, vu que vous avez les yeux bandés toutes les deux? Oui. C'est quoi ça? Ah ben c'est le jeu Asya, tu l'as pris, donc il va falloir que tu commences avec ça. C'est la mousse à rasoir. Eh oui. J'ai pris celle qui n'était pas secouée. Allez, c'est parti pour les prochains ingrédients les filles, choisissez bien et faites attention à ce que vous prenez. Alors à ton avis Asya, qu'est-ce que tu as pris? De la colle. Alors tout va bien pour toi. Leïla, est-ce que tu t'en sors bien toi aussi? Oui, ça va. Allez les filles, c'est parti pour les prochains ingrédients de votre slime à l'aveugle. Faites attention à ce que vous choisissez. Alors d'après vous, est-ce que ça se passe bien pour vous? Moi je crois. Et toi Leïla, est-ce que tu es satisfaite pour l'instant de ce que tu crois avoir pris? Oui. On fait attention. Allez, c'est reparti. Presque les dernières étapes. Allez les filles, c'est bientôt terminé. Bien sûr les filles, vous gardez bien vos bandeaux pour ne pas tricher, hein. Oui. Allez, il reste quelques ingrédients, le dernier pour que vos slimes soient prêts. Bien sûr. Allez, on est reparti. J'espère que ça marche. J'espère que je vais pas mettre. On verra qui aura le plus beau slime. J'en suis sûre que c'est Asya. Tu penses? Moi je pense que le tien il peut être bien aussi. Allez Asya. Allez Leïla. C'est bientôt terminé. A few moments later. Il est terminé de mettre la lessive. Ah ben tu peux mélanger alors. Maintenant ce sera Asya. Alors est-ce que ça s'est bien passé pour toi Leïla? Je ne sais pas, je peux enlever mon bandeau, c'est terminé. Alors attends, on attend que Asya termine. Donc voilà pour le slime à l'aveugle de Asya.
très très particulier, vous savez pourquoi. Et voilà pour celui de Leïla qui est pratiquement prêt. Il ne colle pratiquement plus, donc ça va être bon. Et il manque plus qu'à tourner tout ça, les filles. Bon, maintenant, les filles, le challenge est terminé. Il manque plus qu'à enlever les bandeaux pour voir un peu vos slimes, à quoi ils ressemblent. Allez, Asia, tu peux l'enlever. Leïla, tu peux l'enlever. Alors, qui a réussi le meilleur slime? Eh bien, on dirait que c'est Leïla. Hein, alors. Et Leïla, Asia, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben je crois que c'est Leïla qui a gagné ce challenge, je crois, non? Oh non, je suis dégoûtée. Ah, parce que Asia, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça te ressemble pas. D'habitude, tu réussis toujours tout, mais là. Asia, j'ai quelque chose à te dire. Il rajoute du sel, du coca et du ketchup. Alors en fait, Leïla, ce qu'elle veut te dire, c'est que c'était pas une vidéo ordinaire, Asia. C'était quoi en fait? Tout à fait, oui. Alors en fait, elle avait son bandeau ouvert pendant toute la durée de la vidéo et elle t'a rajouté en effet du sel, du ketchup et du Coca-Cola. Ah mais c'est pour ça qu'au début elle était en train de rigoler. Et oui, donc elle a voulu que tu fasses un peu ce challenge à sa manière pour se venger du prank que tu lui avais fait cet été. Elle a pas digéré que tu la pousses dans la piscine, donc elle s'est dit je vais la pranker sur le slime. J'étais tombée malade à cause d'elle. Et là, voilà, sa vengeance est terrible. Ma Asia. Vengeance sera terrible. Et oui, du coup, tu n'as pas de slime. Hein. C'est du liquide, coca, ketchup et sel. Hein. Après, ça aurait pu marcher. Hein. Ben oui, parce que des fois, il y a des slimes qui sont avec du sel. Non, mais en plus, tu as rajouté du sel, là. Peut-être ça va marcher. Ah non, mais là, c'est du liquide. D'un peu plus près ton magnifique slime couleur or. Magnifique, magnifique. Oh, bon, il se coupe un peu ton slime. Petit caramel. Miam, miam. Bon, ben Asia, je vais pas te demander de montrer le tien. Hein. Ah, mais sa vengeance sera terrible. Et dites-nous aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce prank? Est-ce que d'après vous, c'était méchant? Ou est-ce qu'elle aurait pu être encore plus méchante? Je pense qu'elle aurait pu te rajouter plus d'ingrédients. Ça voulait que rajouter du liquide vaisselle, moi. Tiens, tiens. Ah ben oui, t'aurais pu, oui. Ma vengeance sera terrible. Ah ça, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Avant, ton slime, il était horrible. Donc c'est pour ça que je lui ai rajouté du sel, du ketchup et tout. Elle a voulu rajouter sa touche personnelle. En plus, moi, j'ai un peu rajouté du sel. Aussi, oui. Je suis obligée de te dire quelque chose. Encore. En fait, j'ai demandé à maman de faire un slime et il est là. Et oui, ben, ça va être très bien que tu allais mal le prendre. Donc moi, de mon côté, j'ai aussi fait un slime et je vais te le donner. Regarde un peu. Hop, c'est celui que je viens de faire. En rose, bien sûr. Hein. Tout pailleté, je ne sais pas si tu apprécieras, puisque toi, tu aimes bien en général les couleurs plus foncées. Mais comme on savait que tu allais peut-être mal le prendre, on s'est dit, vaut mieux faire un slime à côté. Pour pouvoir te le donner après, bon, il est simple. Hein. Il est trop bon. Il est pailleté, il est neutre. Voilà. Alors, on te le passe. Merci. Et voilà. C'est bon, tu n'en veux pas trop alors? Oui. Tu veux toujours te venger d'elle? Oui, quand même. C'est déjà la fin de ce prank. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, la partager au maximum. Et surtout, abonnez-vous. Des bisous. Et on fait bientôt de nouvelles.